Bonjour, bonjour à tous, c'est le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu. On vient d'avoir un bébé croco, à l'instant là, il vient de pondre, et il est sorti direct, 1m50 instantanément, c'est surprenant, mais en tout cas il est là, et ça, ça fait plaisir. Bonjour à ceux qui sont sur le Twitch, Walou, le boss du top, Monsieur Joe, Monsieur Kalash, Papa Mika, Kiru Kiru, Neilou, Jaguar Tac, Fabien, Cyril Filou, Anthony, Eric Enako, Max Excalibiscus, Balou, Léo, etc., etc. Bonjour à tout le monde, on a un bébé croco. On va le laisser vagabonder dans les plaines. Attends, j'aimerais bien voir ta mère, mais en cinématique, ça ne m'intéresse pas. Quoi? Allez, c'est la maman. Ce serait cool de pouvoir les jouer. Non? Est-ce que ce serait pas sympa d'avoir cette option? Tu cliques dessus, tu peux le déplacer. Ah oh, ouais, ce serait bien ça. Ce serait très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un carnage. L'objectif de cette vidéo... Afin. Ah ça, je vais pas te le cacher, ça me surprend pas. Vous êtes 234 000, merci beaucoup à Buzaka pour Crocodile Dundee, pour le Twitch Prime. Le deuxième mois, c'est le premier à être en deuxième mois, incroyable. Ça me surprend pas qu'ils aient faim. Ça manque probablement de nourriture chez eux, on va pas se le cacher. Puisqu'ils sont 234 000 dans l'enclos et il y a trois endroits pour manger. Donc on va rajouter des trucs, macaque. On va rajouter les plateformes de... Plateforme de nourrissage, j'ai pas compris comment on fait pour les mettre en hauteur et que les gens là puissent y accéder. Donc je vais mettre une plateforme de nourrissage ici. Hop! Et j'en remets une. Bon, j'en remets pas d'autres. J'en ai mis une grande, ça va. J'ajoute un petit abreuvoir à la limite. J'en mets un là. Hop, très bien. Ça marche ça? 399. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop. Salut Lucas. Mon mode carrière rame trop, c'est normal. Ah, c'est peut-être un problème de PC après, hein, parce que je... Ah, bah, carrière, j'ai pas joué. En même temps. Ça dépend ce que t'entends par carrière, mais j'ai pas joué. Alors, on va mettre play, histoire que ça passe. Que se passe-t-il? L'animal à faim. Le panda. Elle va manger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a de quoi manger dans l'enclos. Ah ouais, attendez. Est-ce que j'ai vendu... Le panda? J'en avais plein. Oh, les zèbres, j'ai trois femmes enceintes, quoi. Ouais, panda, j'en ai trop. Il n'a pas été vendu. 500, c'était trop. C'était Lianua. Lianua, centre d'échange, tu vois. Lianua, elle n'a pas été vendue. J'avais mis à 500, je crois. Parce que c'était du panda de luxe, tu vois. C'était du panda au maximum. Mais les gens ne sont pas intéressés, quoi. On peut le dire. Je vais le passer à 400. Je vais la passer à 400. Attends, parce que les gènes sont bons. Ils sont bons, quand même, hein. Je la passe à 400 si jamais ça passe pas. Je la mettrai au prix que le jeu conseille. Si jamais ça passe pas, je la relâcherai dans la nature. Et ce petit panda là, je vais lui le relâcher dans la nature. Très bien. Hop, 116, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais non, il y a du monde. Bonsoir. Quand allez-vous? Enchanté. Enchanté. Oh, bah ça c'est moi. Et enchanté. Très très bien. Ici, qu'est-ce qui se passe-t-il? Habitat. Mais cet habitat, les zèbres, ils se battent pour leur virilité. Ils nous saoulent. Tu vas refaire une plaine du Serengeti ou pas comme dans la bêta? Si, si, bien évidemment. Salut LR7, salut Thomas. Thomas. Évidemment, je vais faire une plaine du Serengeti, mais c'est pas prévu là tout de suite, puisque nous sommes dans la zone Asie. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah ouais, les recherches. On est bon. On est bon. Alors, play. Tout devrait se gérer à peu près tout seul. Et on est parti pour l'installation. Alors, on n'a pas fait la sortie ici, mais on va la faire. On est parti pour l'installation des dragons de Komodo. Sachant que, bon, ça va être un enclos plus basique. Dans le sens où... déjà, de quoi ils ont besoin? Dans le sens où... on va pas faire un truc en dessous, quoi. Oh, c'est beau, hein. C'est bon, le dragon. C'est beau, le dragon du Komodo. Vent des zèbres. C'est pas bête, hein. Salut, Torzacus. Salut, Uli. Et bonsoir à Pony aussi. Alors, niveau 2 de... Délimitation, pardon, requise. Niveau 2, ok, très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'eau, il n'y a pas besoin de structure d'escalade, d'accord. 12 à 42. Et terrain requis, 600 mètres carrés. On va essayer de respecter à peu près la taille nécessaire pour cette espèce. Tu vois, là, on est sur du combien, là? On est sur du combien, là? Jeune croco, les temps modernes. Quelle est la taille de ton terrain?
On a 1994 mètres carrés d'eau. Il en avait besoin de que 367. Si ça, c'est pas du luxe. Non, mais c'est pour ça que je vais lui remettre des arbres. S'il est pas content en occupation, j'ai envie de te dire tant pis pour lui. Il a de l'eau, il a qu'à nager. C'est bon. Félicitations pour le tunnel. Bah écoute, c'est clairement grâce à... à monsieur Kalash62 qui m'a donné le bon lien. Oh là, c'est trop beau ça. Regarde ça, il nage au-dessus, on voit l'ombre. Ça c'est dommage, hein. Faut vraiment que je règle le problème. Hein. Parce que je peux pas profiter pleinement. Oh, putain, c'est beau. C'était pas voulu cette vue, mais... mais c'est joli. Et là on voit le tunnel. Tu vois, c'est probablement une question d'eau. Bah les gars, ils sont sérieux ou quoi? Ils m'ont cassé mon truc, quoi. Quelle bande de chacal. Dernier don, bah tu m'étonnes. Vous voyez pas clair. Oh. Déception. Ouais, si tu as des visiteurs dans ton zoo, clique dessus et salue-les. Et tu as une petite récompense. Ouais, je l'ai déjà fait, merci. C'est magnifique la nuit. Ah, c'est trop beau la nuit, j'adore. Regarde ça. Regardez ça. Ah, les macaques, on pourrait éclairer. Non, on va pas éclairer chez eux l'entrepôt. L'enclos la nuit. Regardez. S'y croirait presque. J'essaie de me déplacer de manière naturelle, mais... ah, je suis pas parti du bon côté. Ah bah non, il fait plus nuit. Ah, on voulait profiter un petit peu et... il est beau ce coin. Ah, j'aime bien. Bon, on est parti. Dans le compte Komodo, tu rajoutes des petits spots et c'est aux oignons. Ouais, non mais c'est clair. Carrément. J'ai l'impression que les problèmes sont globalement réglés. Zèbre, animal mort. Ah bon, ouais, bah, très bien. Vieillesse, parfait. Les zèbres, c'est ça, je voulais dire. On va pas les vendre parce qu'on a 3 femelles mâles. Quoi? Hein? Comment? On a 3 femelles vieilles. Du coup, elles vont décéder prochainement. Donc, donc on va pas les tuer. Quoi. En transit vers l'habitat. Et tu vois, on a là vieux. Tu vois, on a trois qui vont décéder. Elle est sur le point de mourir. Bah, elle est en train de mourir de vieillesse, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as, toi? Attendez, il y a des cartons, là, quelque part? Comment? Que se passe-t-il? Il y a des espèces dans des boîtes. Les macaques, là. Lui, il a fait une chute. Sors de là. Très bien. Recherche mécanique. Qu'est-ce que c'est? Ok, thème nouveau monde, faut le rechercher, ça c'est excellent. On part sur l'Afrique et on aura fait toutes nos recherches. De construction. Excellent. Bon, on est parti. Dragon de Komodo, qu'est-ce qu'on met du coup comme mur? Ah, clôture. Oui, ça lag. Comment ça? Petit lag. Ça lag? Oh non. Ah ouais, effectivement, j'ai des pertes de... d'image. Ça, c'est un problème de réseau. C'est un problème de réseau. Comment je peux arranger ça? J'ai un téléchargement? Bah non, j'ai rien de lancé à côté. Tu reçois 20 points de conservation quand tu salues un visiteur. Ouais, je sais. Alors là, le problème du lag vient uniquement du réseau. Vient uniquement du réseau, donc il faut juste espérer que... faut juste espérer que le réseau revienne. Parce que je peux rien faire. À la limite, je peux faire ça. J'ai coupé le retour du live ici. Parce que j'ai pas de téléchargement, rien. Je suis bien sur le bon réseau. Ce serait con que je sois sur le vieux réseau. Dégueulasse, non? Je suis sur la box 4G. Non, bah là, je sais pas. Donc, bah, vous me dites si ça rebug. Et si ça bug plus, tant mieux. Si ça bug, j'en suis désolé, je n'y peux rien. Que la température. Que la tempête passe. C'est systématiquement débile. Mais c'est toujours inattendu. Attends, je fais un test. Merci beaucoup, Uli. Rejoindre le chemin dans le tunnel et sinon les gens peuvent aller dedans. Oui, les gens peuvent aller dedans. Et le chemin, je vais le faire rejoindre. Mais je veux d'abord faire l'enclos. Parce que le chemin, c'est ce que je disais, je vais le changer. Alors, dragon de Komodo, j'ai bien envie de mettre du gabion, parce que c'est un style de mur qu'on n'utilise pas spécialement. Et ce serait sympa de l'utiliser aussi, parce qu'il a le droit de vivre aussi, pauvre pépère. Tout simplement. Gabion. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Mais pourquoi t'es parti là-bas? Mais il est sérieux, lui, ou quoi? Si jamais ça lag... Merci beaucoup, Uli. Si jamais c'est là que vous me le redites. Malheureusement, j'y peux absolument rien, quoi. Donc, mets-moi du gabion, là. Oh, il est sérieux, quoi. Bon, bah, viens. Fais ça.
Si tu veux te faire plaisir, fais ça. Tant mieux. Passe en gabion. Ok. Alors, on peut pas... Ah ouais, alors passe en brique, parce qu'on peut au moins faire de l'incurvé. On peut au moins faire de l'incurvé. Je me suis trompé dans les raccourcis, pardon. Alors, on va faire un dragon de Komodo, on va faire un enclos... C'est systématiquement débile. Comme ça. Mais c'est toujours inattendu. Je vais baisser un peu la longueur. Hein. Merci beaucoup. Ça lag plus. Ok, merci. Merci beaucoup, Uli. Salut, le Dimorphodon. Et cet après-midi, on a fait l'enclos qui est juste là. L'enclos des crocodiles marins. Qui est plutôt satisfaisant. Mais pas complètement. Je le peaufinerai en off. Et vous aurez la surprise lors d'un futur live. Pas forcément le prochain, mais genre celui de mardi. Quoi. Ok. Donc ça, ce sera Dragon de Komodo, qui est très grand aussi, on va pas se le cacher. Beaucoup trop grand. On va le raccourcir. On va le raccourcir. Tac. Pourquoi tu prends de là? Prends d'ici, là. Voilà, très bien. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais de la suite. En vrai, on disait tu vas avoir un problème avec ta rivière, mais si je la finis pas la rivière, on n'aura pas de problème. Si on l'arrête comme ça là, la rivière. Ah, on l'avait pas prévu ça. On l'avait pas prévu mon génie d'adaptation. 5. C'est dégueu ça. Dire ça. On passe en 8 là. Prends ici. On fera rejoindre ça comme ça. Ouais, rejoins. Très bien. Mais pourquoi tu te mets dans ce sens-là? Ça m'embête, ça. L'incurbation. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut pas la mettre dans l'autre sens? Arrête un peu! Ouais, moi je la veux comme ça, moi. Pourquoi je la peux pas, là? Ah ouais, mais si, c'est normal que je puisse pas. C'est normal que je puisse pas, en fait. Attendez. Fais-moi un tout petit mur, là. Très bien. Passe en 8. Voilà. Très bien. Ça, tu me le vires. Et tu viens t'associer ici. Ok. Ça, ce sera Dragon de Komodo. Juste comme ça, les Français aussi au congé lundi. Moi, je suis belge, donc je sais pas si vous aussi... Si, on a congé. C'est l'armistice, ça concerne probablement toute l'Europe, donc... Enfin, j'en sais rien en vérité. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Macaque à faim, macaque à faim. Écoutez, les macaques qui ont faim, ils vont être vendus. Je vous le dis. Ou alors, ils vont décéder et puis c'est tout. Quoi. Parce que, est-ce que c'est de ma faute? Bah, probablement. C'est systématiquement débile. Appelle soigneur. Merci beaucoup, Uli. Et salut, Typhon. Mets des vitres. Oui, mais attendez. Mais patience! Patience! Mais c'est de la brique. Ouais, ouais, on va changer. Attendez, c'est juste pour avoir les courbures. Vous êtes impatient. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes impatient. Par contre, moi, je veux que le mec, il vienne... Attendez. Je vais recruter. Je vais recruter un soigneur. Parce que les soigneurs, il en faut beaucoup. Hein. Tu vois, ils sont tous en surcharge de travail. Tu m'étonnes, quoi. J'ai envie de te dire. Il y a 200 000 macaques à gérer. Je t'en rajoute 3. De toute façon, on est blindé de thunes. Je t'en rajoute 3. Hop. 3 soigneurs. Pardon. 3 soigneurs en plus qui vont être dans la zone Asie. Tac. Tac. Et tac. Allez, allez-y, les gars. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Se tourne les pouces. Ah ouais, je les ai pas mis... Charge de travail élevée. Je les ai pas mis dans un magasin... Ouais, d'accord. Bon, ça, c'est pas grave. Je vais prendre un veto en plus, encore. Je vais prendre 2 veto. Je vais prendre 2 veto. Non, en vrai, les veto, on s'en fout, quoi. Je vais en mettre qu'un seul. Qui sera dans la zone Asie, si tu veux. Mais je vais en mettre qu'un seul, on s'en fout, ça. Merci beaucoup, Walou, pour l'abonnement. D'accord, donc, Komodo, vive quelle, je crois. Comment? Vit dans la jungle indonésienne et sur les côtes. Ouais. On sait, mais c'est marqué Asie. Tu vois? Asie. Île indonésienne, Asie. Voilà. On n'a pas cherché, c'est comme le crocodile marin, je crois, qui est essentiellement Océanie et Asie, mais comme on n'a pas d'espèce... Assez d'espèces en Océanie, pardon. Pour faire toute une zone Océanie, bon, on le met en Asie. Ça, ce sera...
comme ceci, du coup. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est beau ou c'est pas beau, ça? C'est quand même sacrément dégueu, ça. Ça, ça fait plus savane. Hein. Non. On va pas le mettre comme ça, le mur. On le met comment, le mur? Parce que c'est ça, la vraie question. En tôle? C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. En tôle, ça fait Afrique. Merci beaucoup, Yuli. Roy prend un autre agent de sécurité pour les manifs de Greenpeace. En plus, c'est vrai qu'on m'a dit d'en prendre un autre. Faut que je vois pour en prendre un. En vrai, moi, mes préférés, c'est rondin et béton. Hein. Les autres... est-ce que si je mets ça, niveau de résistance 1, niveau de résistance 3, faut passer en 2. En 2 minimum. Un grillage? Oh, un grillage, ça peut être sympa. En le baissant un petit peu. En baissant un petit peu sa hauteur. Je pense pas que le dragon de Komodo saute au-dessus d'1m40. On va faire ça. Toi, je vais te monter. À 2 mètres. Hein. Et toi, t'es pas la bonne pierre. Passe comme ça. Ok. Toi. Tu vas monter également à 2 mètres. Et tu vas passer en bois aussi. Très bien, ça. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ouais, je pense que je peux apprécier ça. J'ai l'impression que c'est très très grand encore. Oui, grillage. Mais des rondins. En tôle, ça fait Afrique. Non, mais c'est vrai. Ça vous fait pas cet effet-là quand on voit de la tôle? Ça fait pas un peu... je vais pas dire safari, parce que safari, c'est pas enfermé. Mais je sais pas, pour moi, ça me fait une image... Derrière, je vois des girafes. Pourquoi? Je sais pas. C'est dégueu, le grillage? Oh non, c'est beau. Enfin, c'est pas beau, mais c'est pas moche, quoi. On met une porte. On met une porte. Je vais mettre la porte d'entrée. Je vais mettre la porte d'entrée. Oh, me refais pas le coup. Ouais, j'allais dire, me refais pas le coup de pas vouloir te mettre dans l'autre sens. Je vais mettre la porte d'entrée par ici. Ça, va falloir que je gère. Hein. Ça, je gérerai hors vidéo parce qu'on s'en fout. Allez. Oh, bah non, pas ça du tout. On est en Asie, on vire. Alignement sur clôture, pente courbe, tunnel. On vire tunnel. Ouais, ouais. On vire tunnel. C'est juste pour rejoindre. Hein. J'adapterai hors vidéo. Je viens de le dire, mais je préfère repréciser. Je vais juste ajouter un bâtiment de soigneur ici. Parce que ça peut être intéressant. C'est où? Cabane de soigneur. Cabane de soigneur, une petite cabane de soigneur. De type Asie. Qu'on met comme ça. Et qu'on ajoute dans la zone Asie. Avec ça et ça. Très bien. Très très bien. Maintenant on va pouvoir y mettre nos dragons de Komodo. Et on voit un petit peu pour adapter le terrain. Dans ce bassin. Dragon de Komodo, transféré. C'est acheté contre de l'argent. Hein, donc c'est pas des dragons de Komodo d'élite. Hein. On a 2092. On a vendu notre... notre pandarou. Faut lui dire que les dragons sont capables de se mettre à deux pattes. Ouais, le grillage fait poulailler. Change-le, s'il te plaît. Non, mais il fait poulailler parce que pour l'instant, on n'a pas d'écho. Oh, ça va décéder. Hein. Ça va décéder à vue d'œil, hein, je pense. Hein. On va avoir des macaques sur le bras. Je vous le dis. L'enclos est ouvert, on risque de se faire attaquer. C'est que j'ai un souci, quand je fais une modification de groupe, j'arrive pas à pivoter les objets. Quelqu'un a une solution, s'il vous plaît. Alors, je sais pas. Change le grillage. Ah ouais, vous aimez pas le grillage à ce point-là? Saleté de l'habitat. Ah tiens, c'est dégueu ici. Ah, y a pas d'eau. Y a pas de traitement d'eau. Alors, bougez pas. C'est où? Non, c'est service. Pardon. Bougez pas. Traitement de l'eau. Tu vas avoir du courant, là? Ils vont avoir du courant, ici, là? M'inquiète un peu, ce soir. T'as du courant, là? Pas du courant. Bon, tout va bien. Tout va bien. Pardon, les macaques. Tu m'étonnes qu'ils ont... ils meurent de faim. Ah ouais, c'est de la diarrhée, quoi. Ah, c'est dégueulasse. J'arrive pas à gagner masse point de conservation. Merde, c'est parti trop loin. Qu'est-ce que tu disais? Que disais-tu?
Bon, les dragons de Komodo vont arriver un jour ou l'autre. Voilà, ils arrivent. Panda rouge estante, excellent. On a 2092, hein. Quand on va voir s'acheter des belles espèces, ça va faire plaisir. Hein. Je vous le dis. Lozog, bonjour à toi. On n'a plus de récompenses parce qu'on a dit bonjour à trop de gens. Alors, le dragon de Komodo arrive. Voyons un petit peu. On changera le mur si vraiment vous aimez pas. On est dans le grillage, on va le changer. Caméra. Franchement, je trouve que ça va. Moi, ça me déplaît pas. Mais... Alors, jeune dragon de Komodo, comment vas-tu? Est-ce que je peux dézoomer? Là, tu m'as fait bugger. On le voit pas. Tapis dans l'ombre. Le dragon de Komodo s'apprêtait à attaquer son soigneur. Bon, là, c'est un très gros, ça. Non? Ah non, pas plus que ça. Ouais, le grillage, s'il te plaît. Mais attendez! Mais ça va! Je viens de le dire, je vais l'enlever, le grillage. Patience. On admire un peu le dragon de Komodo. Regardez sa petite langue. Jeune espèce qui torture. Merci beaucoup, CSP, bienvenue à toi. Animal affamé. Bah oui, mais est-ce que c'est de ma faute? Oui, probablement, c'est à moi de gérer. Mais manger? Y'a rien à manger. Bah voilà, tu vois, y'a à manger là. Manger? Ok, moi j'y peux rien si vous mangez pas. Les soigneurs viennent mettre à manger, donc après c'est votre problème. On met pause, on va changer le mur, et on va... mais qu'est-ce que vous voulez comme mur aussi? Parce que moi je veux bien changer, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Le bois, moi je vous mets du bois partout, hein. J'aime bien le bois, donc... Vous croyez que c'est mieux? Hashtag je suis grillage, laisse le grillage, c'est bien le grillage. Tu fais mort, t'es mal. Bah c'est clair. C'est l'espèce qui laisse agoniser et qui te mange une fois que t'es mort. Horrible. Non, c'est moche. Ah, j'aime pas non plus. Bon, c'est parfait. Ah bon? Les gens aimaient bien le grillage aussi. Hein. Bon, c'est pas grave. On verra. De toute façon, c'est le truc, ça change en deux secondes. Alors, de quoi ils ont besoin? Et puis, j'adapterai en fonction de ce que je veux aussi. Hein, parce qu'après tout, c'est mon jeu. C'est ma partie. Tu vois. Alors, trop d'herbe courte. Ben, trop d'herbe longue. Terrain, on va virer de l'herbe longue. On va virer de l'herbe longue, taille, on va en virer beaucoup. On va en virer déjà de ce côté-là. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours, mais c'est toujours inattendu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a ce son-là? Non, le grillage, c'est cool, je trouve la transparence un peu... Un peu juste... Ah, la loose, il manque quelque chose. Qu'est-ce que c'était, ce son? J'ai bugué. Ah, merci beaucoup, Uli. Enlève ce grillage rouillé. Ah merde, bah du coup je suis obligé. Obligé de rajouter l'enclos dans le groupe si tu veux qu'on vienne les nourrir. Il est fait, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Bienvenue Ariane Sly. Ok, il y a trop d'herbe. Je vais ajouter de la terre. La terre, est-ce que tu veux du sable? Tu veux beaucoup de sable? Bon, merci beaucoup Tonio, bienvenue à toi. Tu veux beaucoup de sable? Alors tu sais ce qu'on va faire? On va accidenter déjà le terrain. Parce que tu vis pas dans les montagnes, hein, mais tu vis quand même dans des régions accidentées. Alors, on va dire avec des dunes. J'en sais rien en vérité, hein. Moi je suppose. Je t'avoue que j'ai jamais vu exactement un... On peut creuser aussi, hein. Pensons à creuser. Ils s'adorent où les dragons de Komodo? Sous terre? Est-ce que ça adore sous terre? Au pire tu t'es mouillé, grillage, moitié bois. Tu mets moitié... Ah ouais. On n'est pas d'accord entre nous, non mais c'est ça. Ah ouais, c'est pas grave, je m'adapterai. C'est bizarre, mais cet enclos avec cette petite étendue d'eau me rappelle vaguement le bordel que tu nous as fait avec les varans. Ah non, mais ce sera beaucoup plus optimisé, ce sera beaucoup... Tu vois, déjà, là, il y a... Bon, ça, c'est pas beau, mais... Il y aura déjà du terrain accidenté et on va creuser. J'attends juste de voir si vous savez. Par terre, à l'ombre des arbres. Il dort sous terre. Ah merde! Moi j'ai fait une cave pour mes Komodo, ça rend plutôt bien. Bon, ciao. Salut le boss du top! J'avoue que j'ai bien envie de faire sous terre. Tu sais ce qui serait cool? Je vais le faire sous terre. Ouais, je vais faire sous terre. C'est bon, c'est tout. Non mais arrêtez. C'est dessiné. Faudrait mettre des vides. Patience. Je vais faire sous terre parce que ici il faut qu'on remonte. Et on va remonter avec la vue sur le côté de là où ils dorment.
Ah ouais, ça va être beau, ça. Ça, ça va être beau. Donc, ça va remonter tout doucement. Il va falloir faire sous terre, mais... tiens, je vais faire une grotte, à la limite. Je vais faire une grotte comme pour les Lycaons. Les Lycaons, c'était plutôt stylé. Je sais plus comment j'avais fait, mais c'était plutôt stylé. Donc, on va creuser ici. De manière intense. Ça, ce sera le passage. D'accord ? Ici, on va faire 2. On part comme ça. On est où, là ? Ah, je suis peut-être en dessous. Je suis peut-être en dehors de l'enclos, là, par contre. C'est peut-être un souci. On va revenir. Parce que si je veux faire passer la route à côté... C'est systématiquement débile. Là, ça a l'air pas mal. Salut, Naloli. Ça va pas de manger trop de cookies aujourd'hui. Tu fais sous terre et tu mets un verre sans train à l'intérieur. Exactement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à la Bétoul. On est exactement en train de faire ça. Par contre, pour pouvoir me repérer, je vais creuser ici. Je reboucherai. Ouais, tu vois, la distance est correcte. La distance est correcte. Donc on va faire ça. Je vais mettre Habitat Dodo. Ici, Dodo. Je vais mettre Habitat Couchage Grand, là. Ah, je vais encore creuser. Je vais encore creuser, parce que j'aime bien. J'aime bien que ce soit vraiment grand, tu vois. Et après, on met Habitat. Ici. Tu te poses droit, là ? Tiens, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Où est-ce qu'on est ? Merci beaucoup, Arteo, bienvenue à toi. Où est-ce qu'on est ? Comment ? Ah, c'est la pluie, là, qui... D'accord, ok, bon, tout va bien. Tout va bien. Merci, Mélo Inferno, pour l'hébergement. Rebouche le haut, c'est percé. Ouais, ouais, attends, t'inquiète, t'inquiète. Mais vous êtes impatient, quand même. Vous êtes impatient, on est en train de faire des trucs. Vous brûlez les étapes. Patience. Salut Pandarou. Alors attends, Pandarou, je t'ai vendu. Excuse-moi de te le dire, mais... j'en ai vendu 2, ils m'ont apporté quasiment 1000 à 2. Hein, donc ça fait plutôt plaisir. Clairement. Bon, ce sera ça. Mais il va falloir... optimiser un petit peu l'entrée, parce que clairement, ils y passeront pas. Baisser un peu l'intensité. Glisser. Augmente l'intensité. Ah merde, ça m'arrange pas si soin. Creuser. Glisser. Tout ce qu'il faut, c'est de pouvoir descendre. S'ils peuvent descendre, après on est bon quoi. Ah ouais, d'accord, on est très profond en vrai. Non mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour ici. Ça va être galère de se retrouver, mais c'est pas plus mal. Oui, ils restent au sol la journée, mais ils dorment sous terre la nuit pour réguler leur chaleur. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Comment on fait pour t'héberger ? Alors, bah, c'est dans les options de ton compte, probablement. Ou je sais pas, il doit y avoir peut-être une commande. Je ne sais pas, je t'avoue que j'ai jamais fait, donc... Si, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. C'est grand, ça. C'est peut-être un peu trop profond, non ? Pas plus que ça, en vrai. Fais une cascade. Je sais pas, ça. Merci beaucoup, le bon plard. Bienvenue à toi. Je sais pas si je vais faire une cascade, très honnêtement. Pour eux, en tout cas, je sais pas. Autant les Lycaons y sautaient, autant là, je pense que ça va être compliqué. Pas que ce soit... Après, ils sont vraiment au ras du sol. Hein. Ils peuvent ramper un petit peu, non ? On va mettre play et on va voir ce qui se passe. Déjà, on en a un qui va certainement finir dans un cube, voilà. Petite chute, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis pété la rotule. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Sortir l'animal. On met play. Dis-moi où tu vas. Tu peux pas descendre, c'est trop vrai. Ok. Chaque soirée a son nouveau projet, j'ai l'impression de suivre des cours d'architecture, mais on apprend beaucoup. Écoute. Je suis content d'aider. Si vraiment j'aide, j'en suis ravi. Ça, je vais le monter. Je vais monter tout d'un cran. Parce que sinon, on va se galérer et ça va nous faire faire un trou énorme
Ce qui est pas forcément ce qu'on veut. Donc je vais monter. Comme ça. Je vais faire un planier. Oula. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est fier de ce qu'on fait? Je me pose un petit peu la question. On est de travers. Hein. On est un peu de travers. Hein. On va faire comme ça. On va faire comme ça. J'ai monté de toute façon là. Oh, on va encore monter, vas-y. On va encore monter. Au pire, on pourra toujours recreuser l'entrée. On va mettre le sac de couchage ici. Très bien. On est clairement plus haut. On est clairement plus haut et derrière, on peut creuser pour ouvrir. Ok, ça j'aime bien. T'as regardé combien de fois Kaamelott ? Oula ! Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Là, c'est mieux déjà. Là, c'est mieux. Maintenant, il faut faire en sorte de creuser suffisamment pour qu'il puisse grimper. Oh, le 1, c'est trop petit. Ici, on a la porte. On va voir. On va voir si ça suffit. Ici, ça m'a l'air raide. On peut peut-être creuser là. On va creuser là. Et on va lisser ça. L'objectif, c'est qu'ils aient accès. Une fois qu'ils auront accès, après, bon, on peaufine, quoi. Hein, c'est toujours pareil. L'habitat. Ah, ça. Ils peuvent pas descendre. Ils peuvent... Ils ont même pas accès ici. Bon, là, c'est pas étonnant. C'est quand même très accidenté. Ils sont aussi difficiles que ça, quoi. Je renonce 5 minutes. Ça marche. Salut, Tintin. Je galère trop avec les employés, notamment les mécanos qui ne réparent pas les enclos des astuces à me donner. J'ai l'impression que j'ai... Bon, ça, ça va se corriger, c'est un bug qui arrive une fois de temps en temps. J'ai l'impression d'avoir de temps en temps ce problème aussi. Un animal dangereux s'est échappé? Ouais, bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, de toute façon, on est en poste, c'est pas grave. J'ai de temps en temps ce problème aussi, ils veulent pas... Enfin, ils y vont pas naturellement. À chaque fois, il faut que je leur dise de le faire. On va monter un petit peu, au pire. Lycée. Play. Ça. Mais... descends. C'est quand même pas compliqué. Tu vas me dire que t'es capable de grimper là, mais pas descendre ici. C'est pas assez large pour toi. T'as les grosses papates. T'as les papates qui gênent. Je vois pas trop pourquoi tu peux pas descendre. Hein. Faut des tunnels larges. J'ai eu le même souci avec Moult SC avec une grosse entrée. Ah bah d'accord, il y a des grosses papates apparemment. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, on va agrandir ici. Ils sont un peu larges les pépères. Parce que je pense pas que ce soit une question de... Je pense pas que ce soit une question de... Ah non, il veut pas y aller. À ce dîner, il a pas le moral, il est fatigué. Et pourtant, il passe là. Attends, il est sérieux, quoi. Il va nous faire perdre un temps monstrueux. Terrain. Lycée. On est mieux, là, déjà. Non ? Si. Ah bah voilà ! Pause. Jusqu'où tu vas ? Bah voilà ! Bah c'est bon. Excellent. Donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'il peut fuir? Il fuit nulle part. Ça, c'est parfait. L'enclos est fait. Enfin, en tout cas, la zone pour dormir est faite. Tu verras quand ils seront à leur taille max. Ah!
Ah ouais, parce qu'ils sont pas encore peut-être complètement grands. Quoique 12 ans et demi, je pense qu'il est quand même pas mal déjà. Ça vit combien de temps un dragon de Komodo? Dragon de Komodo. Ah, 26 ans quand même. Putain, je serais déjà mort si j'étais un dragon. Je suis pas mécontent de prendre des trains. Du coup, maintenant, on va installer la texture du sol. Ils vivent plus dans le désert, de toute façon, on est d'accord. C'est plus des zones arides. Un peu désertiques. Le terrain accidenté, j'aime bien. Je regarde juste à quel endroit je peux mettre du sable. Ils peuvent y aller, là? Dans ce trou, là? Ils peuvent y aller dans ce trou. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Il faut que je transforme au fur et à mesure le terrain, quoi. Ici, ça peut être sable. Et là, non. Ouais, on va partir là-dessus. Alors, herbe longue, il y en a beaucoup trop, pas de soucis, c'est parce qu'on a fait beaucoup de creusage, etc. Ça va se passer. Ça va se passer. On va mettre du sable, sable fin probablement, de préférence. Il leur faut un peu de roche aussi, on en mettra, pas de soucis. On va adapter. Oula, c'est très très grand ça. On va adapter, on va déjà mettre du sable. C'est pas mal parce que ça vient avec là. Ah ouais, c'est bien ça. C'était pas voulu, mais... Mais j'aime bien. Ok, je vais baisser l'intensité. À 70. Je vais mettre de la roche ici. Ah non, je vais pas mettre de la roche. Je vais plutôt mettre de la terre. Je vais plutôt mettre de la terre. Non, je vais pas mettre de la terre non plus. Je vais laisser de l'herbe. Je vais laisser de l'herbe, en tout cas pour l'instant. La roche, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une colline, enfin une... un endroit où ils peuvent pas monter. Comme ça, je vais mettre sable. S'ils peuvent y monter, tant mieux. Hein. Comme ça, je mets sable. Alors, l'intensité n'est pas bonne. On met sable ici et je mets de la roche grossière sur le flanc. En deux. Ouais. Et je vais en mettre là aussi. Là, il y en a. Ici. Là, il y en a naturellement. Très bien. Quel endroit je peux en mettre aussi un petit peu de roche là. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Hein. Les débuts sont rarement beaux. Mais avec un peu de patience, ça finit par s'arranger. Tu peux pas me dire ça y est, c'est bon, il y a assez de roches là. Parce que je veux bien dessiner un peu partout, mais ça a commencé à être galère. Quoi. Salut Lazerman. Faut que je fasse un DM pour demain. Écoute, salut Intox, bon courage à toi. Bon courage à toi. Pour un futur enclos, essaye de faire un micro-volcan avec de l'eau et un effet rivière pour ce que... Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Ah bah attendez, mais à faire régler. On a un trou ici. Ah, attendez, pas trop... pas trop grand non plus. Bah en fait, on va faire ça. Comme ça, on bouche ici. On est d'accord que ça n'a pas bouché en dessous. Tout va bien. On peut mettre de la roche ici. Ça fait partie de l'enclos. Ah. Ça, c'est cool. Où est-ce qu'on est ? Ok, ça m'a pas augmenté le pourcentage par contre. Donc légère déception. Ah, c'est un colorier là.
Ah, bouge pas là. Si tu veux te colorier ici, on va faire une. On va faire ça. Plus petit. Oh, pardon, hein. Je suis concentré. J'ai presque envie de dire comme d'hab, quoi. Y'a toujours pas assez de roches là. Ils vont commencer tout doucement à nous saouler. Parce que ça commence à faire dégueu quoi. J'étais pas mécontent de la forme que je mettais, mais je commence à être un peu déçu. Tu veux que je t'en mette ici à la limite? Je peux t'en mettre là. Ah putain! Il est sérieux quoi! Mets la roche dans l'eau. Ah! Putain, mais quelle belle idée! J'ai l'impression que ça prenne beaucoup en compte. Hein. Déception ? Oui, effectivement. Merci beaucoup, petite bulle. Bienvenue à toi. Tu fais quoi ? Je suis en train de faire l'enclos dragon de Komodo, mais j'essaie d'avoir la tolérance de la roche de l'animal comme il faut. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop ce qu'on est en train de lui proposer. On va encore augmenter le niveau ici, tant pis. Hein. On va faire ça. Et on va encore colorier ça. Hein. Ah, là, c'est bon. Je vais même faire ça. Baisser ça. Et mettre de l'herbe courte ici. Quoi? Pourquoi tu veux pas? Ouais. Ça, c'était prévu. Voilà. Ok. Play. Détecte un petit peu le truc. Ensuite, au niveau espace, ils ont juste deux fois la taille nécessaire. Bon, encore une fois, j'espère qu'ils vont pas se plaindre. Alors qu'on essaie quand même de faire quelque chose de plutôt joli. Il s'est vraiment barré, lui? Ah bah apparemment. Où est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas en dessous? Ah mais il est pas barré, il s'est juste bugué. J'espère que moi je suis pas bugué du coup. Ah merde. Ah, légère difficulté. Allô. Nous sommes partis avec le panda capturer l'animal si tu veux. Moi je suis pas contre l'idée. De toute façon ça va être compliqué d'appeler un veto. Il va peut-être prendre sa pelle. On va le chercher les gars. Hop, ça va être compliqué. Donc capturer l'animal en urgence. Play. On va attendre qu'il soit parti. On espère qu'il est parti. Voilà. Très bien. Il était bugué. C'est pour ça que je disais que ça m'inquiétait pas. Il était juste bugué. Alors, ça. Annuler le déplacement. Déplacer. Ah non, mais tu vois, il est bien, bel et bien dans son enclos. Il était juste. C'est bizarre ce qui s'est passé. Bébé autruche qui a faim. Tant pis. Ça fera à manger pour les visiteurs. Salut Zarbou! Alors, ici nous sommes en play et les dragons de Komodo sont plutôt heureux. Plutôt heureux. Ils ont un abri solide, ils ont les terrains parfaits, ils ont une zone très très largement suffisante. Maintenant, il faut mettre un petit peu de plantes. Alors pour les plantes, c'est facile. Asie, déjà. Alors non, pas Asie. On va prendre tropical et prairie. Ah, j'ai dit pas Asie. Biome. Tropical et prairie. Et on va mettre des rochers. Alors, on va mettre des rochers déjà tropicaux. Ça va ? Enfin, prairie, du coup, par là. Et tropical, ici. Sachant qu'il n'en faut pas trop. Apparemment, en tout cas. Apparemment. Pour les Komodos, on pourrait mettre des cocotiers, non ? Bah, on va voir ce qu'ils nous proposent. S'ils nous proposent de poser des cocotiers, bah, on mettra des cocotiers. S'ils nous disent qu'ils n'aiment pas les cocotiers, bah, on verra. Ça, je vais pas mettre un gros rocher comme ça. Tiens. Ah oui, d'accord. Il y a ça qui est activé.
Alors, ça comme ça. Ici. C'est très grand, ça. Un petit cumul de rochers. Ça, on a l'habitude. On commence à avoir l'habitude. Ah, ça fait un petit truc. C'est sympa. C'est sympa. Ensuite, on va leur laisser de la place. J'ai bien envie quand même de leur mettre un vrai gros caillou. Non pas pour qu'ils y grimpent, mais juste parce que je sais pas, je les vois bien se cacher derrière pour chasser quoi. Bon là ils chasseront pas, mais un caillou comme ça. On peut y mettre à côté un petit truc, un peu plus petit, plus petit j'ai demandé, plus petit encore. Ouais, ça c'est pas si mal. On peut mettre ça. Ensuite, ici, c'est pas trop mal. On pourrait mettre un caillou debout comme ça. En vrai, tu pourrais, je rigolais, mais on pourrait faire un genre de... Comment ça s'appelle? Oh, c'est beau, ils sont mouillés direct, quoi. Un genre de... Ah, bah ça, c'est très bien. Ça va me permettre de cacher ça, parce que je trouve que c'est dégueu. Ça, on pourrait faire un genre de Stone Age. Ah, pas pour eux, mais c'est une idée pour plus tard. Quoi. Ok, ça va pas bouger ça, on est d'accord. Ça va pas bouger ça. Très bien. Très 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 bien. Ici, normalement, on a un grand truc plat là. Voilà, ça c'est bien. Je vais prendre justement ça. Le poser comme ça. Comme ça. Avec de la caillasse en dessous. Il n'y avait pas les petits cailloux. Bah voilà. Tu viens de dire, il n'y a pas les petits cailloux un peu ronds là? Ah si, si. Si, si, ils sont bien là. Pour l'instant, je vous avoue très honnêtement, c'est complètement dégueulasse. Des menhirs, c'est ça, bien vu. Je vais être soigneur. Bah écoute, tu ne le seras pas. Je peux t'embaucher, il n'y a pas de souci, mais... C'est toujours dégueu au début, de toute façon. On se rassure. Au début, c'est toujours dégueu. Mais une fois qu'on a mis des arbres, après on se dit, ah, en fait, c'est quand même plutôt stylé. Donc on va se rassurer, si jamais c'est dégueu... On verra. En plus, il pleut, tu vois. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on aura envie d'avoir. Donc, on va attendre qu'il arrête de pleuvoir. On verra bien. On va mettre des arbres. Et on verra. Vas-y. Océanie, ça ajoute des trucs? Ah ouais. Ça ajoute des trucs. Bon, là, il considère pas comme Océanie. Hein, donc... Donc bon, on m'avait dit des palmiers, est-ce qu'il y en a? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah des roseaux. Sculpture végétale, ouais bon très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Des pommiers, cocotiers. Bah les cocotiers c'est pas mal. On peut mettre des cocotiers. Les palmiers, les cocotiers c'est pareil. Non? On va le rentrer un petit peu. On peut en mettre un là. Ça. On peut en mettre un comme ça. Ça c'est pas si mal déjà. Ça c'est pas si mal déjà. Ça va trop loin avec les dragons et les cocotiers. Comment? J'ai raté quelque chose apparemment. Cocotier 4. Il est tout petit celui-là. Il est tout petit ce cocotier, mais on peut l'utiliser quand même. L'utiliser comme ça à côté de sa maman. Parce qu'on prend, rarement soin des familles d'arbres. Mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense que souvent les mamans et les papas, bah, ils laissent leurs enfants au loin, tu vois. Les graines s'envolent ou embarquées par une tulipe. Et c'est quand même souvent malheureux. Ça fait partie de ces histoires dont on oublie souvent d'en parler, mais...
une fois de temps en temps. Il est bon de s'en souvenir. Ah, les baobabs, j'ai pas envie d'en mettre. Je vous le dis tout de suite, je vois pas de baobabs avec les... avec eux, quoi. Je vais remettre un petit troupeau de cocotiers ici. Le petit troupeau de cocotiers qui fait plaisir. Parce que ça fait stylé. Sauf que cette fois, je vais en mettre 3 dans, comme ça. Déjà, il y a quelque chose. Ça, c'est dégueu. Putain, on verra quand il pleut plus, mais... Mais bon. Ah, les enfants emportés par YouTube, on en parle pas. Non, mais c'est clair. Ensuite, au niveau des arbres dans le coin, on va mettre le classique, hein, je pense. Hein. Du tamarier. Le tamarinier, il est sympa. Moi, je l'aime bien, le tamarinier. Je vous le dis. C'est probablement mon arbre favori. En tout cas, dans le style Asie. Je le trouve assez stylé. Bon, pas là. Mais je le trouve quand même globalement assez stylé. Non. Monte-le. Ah bah, t'étais monté déjà. Ah, d'accord. Une racine qui ressort. Ouais, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du bambou. Est-ce qu'on voit du bambou chez les dragons de Komodo? Ah, je l'imagine pas trop. Sincèrement, alors qu'on peut mettre un cerf comme ça, pardon. Ah, de la mangrove. Ah ouais, la mangrove. Alors, mangrove, on va mettre. Ah, par contre, j'avoue que mettre de la mangrove, je sais pas trop faire. On a réussi à faire un truc assez stylé, posé sur un caillou. Peut-être qu'on devrait essayer ça. On va poser sur un rocher. Poser sur des rochers des mangroves. On va voir ce que ça donne. Allez où? Mangrove. Du tout centré. Hein. C'est pas du tout centré, mais alors pas du tout. Non, pas de mangrove. Non, pas de bambou. Ah bon? Oh, j'espère que cette fois-ci t'as pas engagé les jeunes hommes pour les employés de la SNCF graviste. Bah écoute, mes employés ont l'air de bien travailler. Globalement, quoi. Pas de mangrove? Ah, je suis déçu. Ça faisait un style, non? Vous aimez pas la mangrove chez les dragons de Komodo? Ça ajoute un petit truc, non? Oh, c'est trop bien l'eau qui coule là. Bon, pas de mangrove. Une seule alors? On les écoute pas, ils n'ont aucun goût, ces viewers. Silence. Regarde s'ils aiment. Ah, ils aiment les mangroves, c'est sûr. Puisqu'on est dans le style Asie. Tu vois, mangrove. On est dans le style Asie tropicale. Donc, y a pas de souci. Je vais la remettre, ma petite mangrove. Reviens. Hop. Elle a repoussé. Je vais peut-être juste la baisser un petit peu. Ah, je vais même la tourner un petit peu comme ça. Ouais, ça va. Faudra pas oublier à mettre. Enfin, de mettre un effet de courant qui, on va dire, part sous terre. Hein, ça part sous terre. On imagine. C'est moyen pour l'instant. Pas de mangrove. Là. Asie. Continent. Asie. Là. Ah, les bambous, je les vois pas. Par quelle espèce on peut mettre des arbres aussi grands? Les orang-outans, peut-être? Non, ça me surprend, hein, le capoquier, c'est très très grand quand même. Du cocotier, du bambou. Bah attends, ils sont où les autres là? Ah! C'est ce que je cherchais. Le petit pommier. Le petit pommier sympa qu'on peut installer là. On peut l'installer là avec son pote. Son pote qui lui le domine. Tu vois, c'est.
Non, on va pas le mettre là. Non, non. On va le mettre ici. Là. Avec un petit. Avec le bébé entre les deux. Qui sépare. Ou alors l'arbitre qui sépare le combat. Il écarte les bras. Stop! On arrête de faire les bêtises là, les enfants. C'est pas mal ça. Je vais y mettre des arbres en vrai. Je vais y mettre de la plante. Gros singe, genre gorille, orang-outan. Ouais, on est d'accord. Le bonheur des animaux est plus important que ceux des viveurs. C'est pas faux. Et pas oublier la vitre dans le dortoir. Ouais, mais ça, je le ferai plus tard. Ça, je le ferai en off. Parce que je veux le faire en faisant ça. Donc, bienvenue, Wassims. Merci à toi pour l'abonnement. Pour l'instant, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Je vais les remettre à manger. Comme ça, on va pouvoir mettre play. Et on va pouvoir avancer sur la déco. Peaufiner la déco. Comment il s'appelle? Dragon. Moi, je vois ici. On vérifie. Dragon de Komodo. Très bien. Alors là, le mec, il peut aller partout. Hein, donc ça, c'est bien. Merci beaucoup, MelFoxFR. Bienvenue à toi aussi. Alors, on va vous mettre une mangeoire ici, déjà. Une petite. Ici. Je vous mets un grand grand abreuvoir, ouais. Je vous en mets un là. Comme ça. Et je vous en mets... Je vais vous mettre un robinet d'eau douce. Non pas ici. Mais pourquoi pas là. Comme ça. Très bien. Ensuite, au niveau optimisation. Ils aiment les ballons. Dragon de Komodo aime le ballon. Alors on va te le mettre dans un endroit où tu vas pas le perdre. C'est-à-dire où ça partira pas dans un trou quoi. Ah, ça va être compliqué. On va te le mettre là derrière. On va te le mettre là derrière. Comme ça tu vas jouer au ballon. Tu seras plutôt content. Citrouille glacée. Dragon de Komodo. Ah, très bien. Attends, elle est où? Non, moi, je vais mettre ça là. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Oh! C'est sympa, mais je crois que du coup, ils ont plus accès. Donc non. Je vais le mettre... Je vais le mettre là. Ils ont accès là? Je vais mettre play. Ah pardon, je lui ai coincé la papatte sous le rocher. Excuse-moi mon grand. Alors, est-ce que t'as accès? T'as pas accès à ça. Ah bah ça c'est bien joué. À moins que tu ailles direct comme ça. Non? Ah t'es parti manger. Ah, à vive allure. À vive allure. On vient. Je vais poser ça ailleurs. Je vais le mettre ici par exemple. Ici c'est pas mal. Ah mais non, ça va leur gêner le passage. Je vais le mettre là. Comme ça. Ah non, 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 non. C'est chiant que ça écrase autant le sol. C'est parce qu'il prévoit la place de l'espèce certainement autour. Un peu galère. Bon, je vais te le mettre là alors. Ça va, ça va, ça va. Ils ont pas accès au robinet d'eau. Tu crois? J'ai pas fait attention à ça. Ah ouais, exact. Ils passent pas ni d'un côté ni de l'autre. Ah, ça m'arrange pas beaucoup. Ça m'arrange pas beaucoup. Donc il faut élargir le terrain ici. Avec un planier jusqu'à la surface. Comme ça. On va faire pareil ici, du coup. Ce qui rend pas plus mal l'entrée, en vérité. On laisse ça. Tu veux voir un petit peu? Ah, t'as toujours pas accès? Ah, c'est là que tu coinces. Ah, mais tu passes là. Ah, tu passes là, mais pas là. Cette petite bosse ne sert pas forcément à grand chose. On peut toujours la décaler. Donc on va la virer. Ok. Par contre au niveau du terrain, du coup t'as plus assez de roches. C'est pas
pas forcément ce qu'on aurait voulu enlever. Ah, ça y est. Il pleut plus. On commence à avoir quelque chose. Voilà, on est bon. On est bon. Ils ont accès à l'eau. Ils peuvent venir se gratter ici. Ils peuvent toujours descendre ici. C'est juste, mais ça passe. Ils peuvent passer là. Ils peuvent aller jouer au ballon. Ils peuvent venir nager ici. Ils peuvent descendre là-dedans. Ils peuvent même monter là, alors que j'avais pas forcément prévu qu'ils puissent. Bon bah très bien. On va simplement ajouter la roche qui leur manque du coup. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça c'est chiant. C'est systématiquement débile. Merci beaucoup. Mais c'est toujours inattendu. Tu es l'alien des paysagistes, toi. Quoi? Pourquoi? Salut Arzoun. J'arrive pas à lire ton pseudo. Aronazak. Voilà. Bienvenue. Tu t'es reconnu probablement. Texture. Là. Combat mauvais ratio. Ouais, bon, bah c'est pas grave. C'est suffisant ça? Ah merde, c'est pas suffisant ça. Ça m'arrangerait que ça le soit. Fais un effort. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Voilà, c'est bon. Très bien. Très très bien. On est bon pour tout, on est bon pour l'occupation, on est bon pour les plantes. On a plus qu'à mettre. Quel est le prochain animal? Bah on va voir. On a 2092, on va voir. Ce sera l'occasion de choisir et de sélectionner ensemble la nouvelle espèce. On va bientôt s'en occuper d'ailleurs, puisque... On est à combien de temps pour YouTube? Oh, ça doit le faire. On s'approche des 1h. Saleté. C'est ça, c'est... Oh, bah c'est bon, ça. Les macaques, en tout cas, n'ont plus faim. Soit ils sont tous morts, soit on est pas mal. J'ai envie de refaire un tour là-dedans. Je vous cache pas que je suis assez content. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Mets-moi la vue sans l'eau, là. Voilà, très bien. Oh, merde! C'est quand même plutôt... Regardez, elle est là, la femelle. Ou alors, c'est le petit. C'est lequel des deux? Oh, c'est le bébé. Oh, trop bien. Et là. Ce se lit... Aaron Asg... ok, AZG. Tu n'envisages pas de faire le défi tigre? Bon, pff, je sais pas trop ce que ça apporte pour l'instant, donc j'avoue que si on peut... De toute façon, on a des tigres en Asie, donc si on peut, on ira voir pour acheter des tigres. C'est complètement une idée. Les tigres, ce serait même sympa de mettre un enclos là. Ah, peut-être. Qu'est-ce qui se passe ici? Animal affamé, c'est pas grave, crève. On aime les animaux. j'avoue, j'aimerais avoir les pandas aussi, mais bon. Ça risque d'être cher. Maladie de... Ah! C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Appelez le veto. Merci beaucoup, Uli. Bon, je reviens peut-être plus tard dans la soirée. J'ai un juré qui n'est pas venu au tribunal hier. Je dois porter plainte. C'est chiant, ces gens convoqués qui viennent pas. Quoi? Mais c'est quoi ton travail? T'es juge? Quoi? Mais tes fittings te rapportent des récompenses, à mon avis, un bonus de points de conversation, de conservation, pardon, et ou du contenu exclusif. Ah, contenu exclusif, je pense pas, mais les points de crédit, probablement. Enfin, les crédits de préservation, probablement. Alors, nature, on enchaîne, on finit juste la décoration, et après, on pourra passer à la suite. Alors, on va mettre des fougères, on va mettre des orties. Ah, les orties, on aime pouvoir mettre des orties. Je sais pas ce que j'ai avec les orties, mais j'avoue que j'aime bien. J'avoue que j'aime bien les orties. C'est trop ça. C'est trop ça. Recherche terminée. Pourquoi pas. Ici. Tac. Ah, les orties, c'est mon dada. Je vais m'acheter un bouquet d'orties. Si un jour vous me voyez une LAN ou un truc comme ça, venez avec un bouquet d'orties. Je sais pas comment je vais... J'avoue que je vais certainement le jeter. Mais dans le jeu, c'est joli. Si ça se trouve, il n'y a que moi qui aime. Hein. Qu'est-ce qu'on met comme plante Ah ouais, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Comme ça.
Une petite plantée là, comme ça au hasard. Tac. On laisse faire le naturel. On peut mettre ça. Faudra qu'on pense à mettre les carreaux aussi. Hein, pour que les gens puissent observer. Parce que là pour l'instant il n'y a rien. Rien à voir. C'est quand même dommage. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des fougères. Les fougères c'est pas mal aussi, mais c'est moyen quoi. Regarde là, ils sont posés là. Mi-sable, mi-herbe. Après on va me dire que je prends pas soin d'eux. Ils peuvent choisir leur terrain pour se poser. Je cherche où poser une fougère là. Un tas de fougères. Non, un tas de fougères. Y'a pas un tas de fougères? Ah tu vois, c'est pour ça que j'aime les orties. Parce que t'as un tas d'orties là. Hop, tu peux le mettre là. Voilà. Et les orties, c'est joli. On l'aime bien. Ils ont trop d'arbres. Non. Manifestant. Ils ont pas trop d'arbres. Non, ils ont pas trop d'arbres. Regarde. C'est ultra, ultra dégagé comme enclos. Il y a un coin avec des arbres ici. Là, bon, c'est que des cocotiers. Non, ils ont pas trop d'arbres. Moi, j'aime bien. Franchement, l'enclos, comme d'hab, quoi. J'étais pas satisfait au début. Et après, il y a ce changement de texture là qui me déplaît. Est-ce que je peux t'ajouter du sable encore? Le sable, ça dérange si j'en mets? Non, herbe longue, je peux même en enlever encore. Je vais te changer le sol ici. Je vais te mettre du sable. Hein. Parce que j'avoue que l'approximation de la texture me déplaît. Très bien. Très bien. Bon, il fait nuit, donc on voit pas bien, mais je pense qu'on est pas mal. Oui, je suis juge Roy. Oh, excellent! Je sais pas, j'espère que je te verrai jamais. J'ai des choses à m'approcher. Regarde, t'as des PB Bandarou. Ah, c'est vrai? Ça, c'est intéressant, ça. Descendance conçue... Descendance... Ah oui, d'accord, effectivement. Effectivement. On va commencer à faire... Problème d'eau. Ah, merde. Problème d'eau. Ah, merde. Recherche vétérinaire. On va pouvoir voir pour s'occuper d'autres choses. Je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. L'enclos des dragons de Komodo est terminé. Il sera peaufiné. Tout comme l'enclos crocodile. Une fois qu'on aura fini cette route ici, on aura une vue là. Ah, attendez, j'ai pas mis les carreaux. Parce que là, les gens peuvent pas les voir. Les gens peuvent pas voir. Là. Excusez-moi, les gens, excusez-moi. Il y a un truc qu'on n'a pas encore fait aussi. C'est... C'est une vue... une route surélevée qui passe au-dessus d'un enclos. Bon, ça, il faut y penser. Et je pense qu'on va le mettre chez les tigres. On va mettre un enclos chez les tigres où on pourra passer au-dessus. Clôture, non pas du tout, service. Ici, donnez-moi les sous. Tu vois, t'aimes voir les dragons de Komodo de, à peu près de loin? Eh bah donne des sous. Donne des sous, n'hésite pas, c'est appréciable pour tout le monde, notamment pour eux, parce que quand ils ont des sous, eh bah ils ont le droit de manger. Et si vous donnez rien, on les laisse mourir. Donc franchement, c'est à vous de voir. Je pense que pour eux, vous êtes prêts à faire un effort. Il n'y a pas de courant ici. Si ? Ah ben ça. Qu'est-ce qu'on met ? Déforestation, écotourisme, réchauffement climatique, partage des terres, braconnage d'animaux exotiques, fragmentation de la population. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Merci beaucoup, Uli. Ah bah finalement, mon collègue l'a fait. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on met? Déforestation? Écotourisme? Écotourisme? Allez, pourquoi pas. J'avoue, j'ai pas trop d'idées sur le dragon de Komodo. Qu'est-ce qu'il subit comme par l'homme? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Bon bah voilà! Il fait jour! Et on a des dragons de Komodo heureux. Baby boom! Succès déverrouillé. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu un baby boom. 12 bébés d'un coup, chez les zèbres. Je ne sais pas. Je vais mettre pause. YouTube, haut-parleur. Ouais, c'est vrai, je vais ajouter haut-parleur. YouTube, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'est Roll Viking sur Planet Zoo. On a fait Dragon Komodo, juste à côté de l'enclos des crocos. Franchement, ça se marie bien, en plus, je trouve. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Bon, après, ici, on a un cube.
qui sera bien évidemment détruit, hein, pas d'inquiétude. En tout cas, ici, on peut reboucher aussi. Mais tout ça, comme j'ai dit, je vais le peaufiner de mon côté. Donc, vous inquiétez pas avec ça. Et prochaine vidéo, on a 2092. On va voir ce qu'on peut acheter comme espèce en couple. Parce que je ne veux qu'un couple. Enfin, je veux un couple. Je ne veux pas acheter juste un tigre pour avoir un tigre si derrière, on peut pas avoir des bébés. Ça sert à rien. C'est de la dépense inutile. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci au chat Twitch. Merci à Jaguar Taguli, à la Betoul, Origami, Yolan, Tifo Morang, Monsieur Joe et toutes les autres personnes. Bisous à tous. Bonne journée. Et à la prochaine. Hey, ciao.